Shiva, le créateur du yoga, était un danseur. Le Surya Namaskara, la salutation au soleil, nous rappelle cette origine du yoga. C'est un enchaînement des asanas fluides et harmonieux et dynamiques. Sur cette vidéo, les positions de la salutation au soleil ne sont pas enchaînées de manière dynamique, afin que vous puissiez exécuter au mieux celle-ci. La position numéro 1 s'effectue les pieds joints, bien ancrés au sol, en écartant bien vos orteils pour utiliser toute la surface d'appui de vos pieds. Vos jambes sont bien tendues, votre bassin et votre dos dans l'axe, votre tête droite et vos mains sont en pranamudra. Paume de main collée. Vos avant-bras sont parallèles au sol. Les épaules sont décontractées. Faites attention à bien garder vos mains éloignées de votre poitrine. Pendant l'exécution de ce asana, votre respiration est profonde et naturelle. Comme dans toutes les positions d'équilibre, restez concentré sur un point fixe face à vous, en cherchant les centres de gravité de votre corps et en vous concentrant sur celui-ci. Pendant les mouvements d'enchaînement entre les positions, faites tous les mouvements vers le haut en inspirant et tous les mouvements vers le bas en expirant. À la prochaine inspiration, passez à la position numéro 2. En élevant les mains vers le haut en Trimurti Mudra, les pouces et l'index unis en formant un triangle. Pour améliorer l'exécution de cette position, rentrez votre ventre à la fin de l'expiration en Uddiyana Bandha. Si asana améliore la souplesse postérieure des jambes, repose votre dos.
À la prochaine inspiration, passez à la position numéro 4 en posant les paumes de main au sol de chaque côté des pieds. Fléchissez les genoux et étirez votre jambe gauche en arrière en gardant les genoux droits pliés à 90 degrés. Les pointes de doigts au sol, votre regard à l'horizontale, votre genou gauche légèrement plié. À la prochaine inspiration, passez à la position numéro 5. En ramenant le pied droit à côté du pied gauche, en faisant attention à ne pas glisser les pieds droits au sol pendant l'enchaînement. Pour cela, posez les paumes de main au sol, ramenez les poires sous les mains et en étirant la jambe gauche, en élevant légèrement le bassin, élevez votre pied droit du sol. En étirant ensuite la jambe droite et posez les pieds droits côté du pied gauche. Vous êtes en position. Gardez les mains sous les épaules. Approchez légèrement les omoplates. Contractez les ventres, les fessiers, les jambes tendues et les talons unis. Cette position fortifie toute la chaîne musculaire de votre corps. À l'expiration, fléchissez légèrement le genou en cambrant légèrement le dos et en fléchissant les coudes en vous allongeant en Ashtangasana. En touchant le sol avec 8 parties de votre corps, les orteils, les genoux, la poitrine, les deux mains et votre front. Dans cette position, élevez bien votre bassin en prononçant davantage la cambrure de votre dos. Les coudes sont pliés et proches de côtes, les omoplates bien rapprochées et la nuque étirez pour permettre que votre front touche le sol. C'est la 6e position. En inspirant, étirez les jambes, plaquez votre bassin au sol en étirant les bras. Élevez votre tronc et votre tête en Bhujangasana. C'est la position numéro 7. Attention,
Gardez les pieds étirés, les talons unis, les jambes tendues et unies, les mains écartées de la largeur des épaules. Votre bassin au sol, les fessiers contractés, les épaules légèrement en arrière et vers le bas en ouvrant votre poitrine. N'efforcez jamais sur la zone lombaire. Si c'est le cas, pliez vos coudes en appuyant vos avant-bras au sol. Cette position assouplit votre dos en étirant la musculature abdominale. Si vous sentez une sensation d'étourdissement, ne restez pas longtemps dans la position et faites-la avec le poumon vide. À l'expiration, fléchissez les bras, ramenez le front au sol, levez le tronc en inspirant, puis votre bassin vers le haut en expirant. Gardez durant l'enchaînement le coude proche du corps. C'est la position numéro 8. Attention de bien garder les talons au sol et les jambes tendues. Les bassins les plus hauts possibles. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les mains plaquées au sol avec les doigts écartés. Les coudes vers l'extérieur. Cette position améliore la souplesse du dos, des jambes, en fortifiant vos bras. À l'inspiration, passez à la position numéro 9. Ramenez votre pied gauche au sol, entre les mains. Cette position est la compensation de la position numéro 4. Inspirez et changez en posant les pieds droits à côté du pied gauche. Étirez les jambes, ramenez vos mains au sol en Trimurti Mudra en expirant. Pour bien enchaîner, gardez vos pieds ancrés au sol en ramenant le poids de votre corps sur les talons sans décoller les orteils du sol et en basculant votre bassin vers l'avant en contractant les fessiers, élevez votre tronc en gardant
toujours les bras tendus dans l'axe du dos. Inspirez et finissez en Padasana, la position numéro 1 du début. Maintenant que vous savez positionner votre corps dans les différents asanas et que vous maîtrisez les liaisons entre les positions, vous pouvez enchaîner les 12 positions au rythme de votre respiration. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration ou expiration, vous changez de position. Je vous conseille la salutation au soleil comme une pratique quotidienne qui vous aidera à développer votre force, votre endurance, votre souplesse, votre conscience corporelle, votre dynamique interne, en vous permettant de vous connecter avec les racines du yoga.